fille. Ils ont fait? Une petite fenêtre dans l'os du crâne. On appelle ça un trou de trépas pour aller aspirer le sang. Tout s'est bien passé, ça devrait bien aller. Je te dis la vie des fois, là. C'est rough, je sais. En plus, je suis le papier de divorce de Julie. Je fais la gaffe de ma vie en perdant ce fille-là, moi. Au moins, t'as ton petit Thomas. Lui, tu le perdras jamais. Ouais. Je crois pas souvent. Je me sens pas encore prête à le prendre longtemps toute seule. Il est tellement vite. Je vais le prendre en fin de semaine avec Pierre. Mais bon, je comptais sur ses jambes à lui. Thomas va grandir, ça s'agir. T'auras pas toujours besoin de courir après. En attendant, je fais quoi? Tu peux pas te trouver une gardienne? Oui, là. Il y a Manon à fromagerie, là. Proposé de m'aider, mais je sais pas, là. Passer une fin de semaine complète avec, je me sentirais gêné. Si tu l'engages comme gardienne, je vois pas le problème. Ouais. Calice, père, pourquoi tu nous as rien dit? Tout a intérêt à te réveiller pis vite que je t'engueule un peu. Napoléon? Napoléon? Il faut que tu manges. Pas faim. Je vais en profiter pour m'aider. Je te fais un spaghetti dans le frigo. Oh. On a que. Ah, c'est fait. Ça va se réveiller. Merci de l'avoir gardé. Oh. Hey, c'est quelque chose, hein, gérer un restaurant? Je sais pas si Pierre a bien fait de me nommer pour s'occuper de tes affaires. Fais-toi confiance. En tout cas, lui, il te fait confiance. Peux-tu aller la changer, mon grand? Je vais l'allaiter tout de suite après. Si tu veux retourner à l'hôpital, gêne-toi pas, hein? Je suis là. Il faut que je passe au restaurant avant. Tout le monde t'inquiète. Hey, t'avais pas besoin de ça, hein? Ben, j'ai beaucoup réfléchi pendant l'opération de Pierre. Faut que j'arrête de juste focusser sur François. Il est mort. Pas Pierre. Alors, je voulais te dire, Elliot. Il a été contacté par l'enquêteur. Où est-ce qu'ils ont reçu le rapport d'autopsie? À la... Excuse-moi. Oui, allô? Allô, ma mère? C'est moi! Ah, oh, ma chouette! Ben oui, ça va bien. Je garde Laurent. Hey, est-ce qu'on pourrait venir super à la maison ce soir? Non, ça vous donnerait comme une petite pratique avant de devenir grand-parent. Oui. Ben oui, ben oui. Vers quelle heure ça arriverait? Sa sieste. Quand il va se réveiller, je vais appeler Diego, puis il va me donner un lift avant son corps de soir à la taverne. OK. Ben là, je suis encore chez Solange, mais je vais retourner à la maison bientôt. Bon, ben, OK, on se voit. Tantôt, maman! Tantôt. OK, bye! Hein? Quand est-ce que vous allez lui dire la vérité? Je suis pas capable. Puis peut-être que si Bertrand, il voit plus Isabelle, on peut attendre encore un petit peu. Je pense pas que plus vous attendez, plus elle risque d'être blessée en l'apprenant. T'as raison.